Luc, chapitre 16. Et il disait aussi à ses disciples, il y avait un certain homme riche qui avait un intendant, et celui-ci fut accusé devant lui d'avoir gaspillé ses biens. Et il l'appela et lui dit: Comment se fait-il que j'entende dire ceci de toi? Rends compte de ton intendance, car tu ne peux plus être intendant. Alors l'intendant dit en lui-même: Que ferai-je, car mon seigneur m'ôte l'intendance, je ne peux pas creuser, j'ai honte de mendier. J'ai résolu ce que je vais faire, afin que, quand je serai renvoyé de l'intendance, ils puissent me recevoir dans leur maison. Ainsi il appela à lui chacun des débiteurs de son Seigneur, et dit au premier Combien dois-tu à mon Seigneur Et il dit Sans mesure d'huile. Et il lui dit Prends ton relevé, et assieds-toi vite, et écris cinquante. Puis il dit à un autre Et toi, combien dois-tu et il dit, sans mesure de blé. Et il lui dit, prends ton relevé, et écrit quatre-vingts. Et le Seigneur loua l'intendant injuste, parce qu'il avait agi avec sagesse, car les enfants de ce monde sont plus sages dans leur génération, que les enfants de lumière. Et je vous dis, faites-vous des amis du mammon de l'injustice, afin que, lorsque vous viendrez à manquer, ils puissent vous recevoir dans les habitations éternelles. Celui qui est fidèle dans ce qui est moindre est aussi fidèle dans beaucoup, et celui qui est inique dans les moindres est aussi inique dans beaucoup. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans le mammon dépravé, qui vous confiera la vraie richesse Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est vôtre Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et les pharisiens aussi, qui étaient convoiteux, entendaient toutes ces choses, et ils le bafouaient. Et il leur dit, Vous êtes ceux qui se justifient eux-mêmes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est hautement estimé parmi les hommes est en abomination à la vue de Dieu. La loi et les prophètes étaient jusqu'à Jean, depuis ce moment-là le royaume de Dieu est prêché, et tout homme s'y presse. Et il est plus facile au ciel et à la terre de passer, qu'à un seul trait de l'être de la loi de faire défaut. Quiconque répudie sa femme et se marie à une autre, commet adultère, et quiconque se marie à celle que son mari a répudiée, commet adultère. Il y avait un certain homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui vivait pompeusement chaque jour, et il y avait un certain mendiant, nommé Lazare, lequel était étendu à sa porte, tout couvert d'ulcères, et désirant se nourrir des miettes qui tombaient de la table de l'homme riche, de plus les chiens venaient lécher ses ulcères. Et il arriva, que le mendiant mourut, et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, l'homme riche mourut aussi, et fut enterré. Et en enfer il lève ses yeux, étant dans les tourments, et voit Abraham au loin, et Lazare dans son sein. Et il s'écria, et dit, Père Abraham, et miséricorde envers moi, et envoie Lazare, afin qu'il puisse tremper dans l'eau le bout de son doigt, et rafraîchir ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham dit, Fils, souviens-toi que pendant ta vie tu as reçu tes bonnes choses, et de même Lazare les mauvaises choses, mais maintenant il est consolé, et toi tu es tourmenté. Et en plus de tout cela, il y a un grand gouffre établi entre nous et vous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à vous ne le peuvent, ceux qui voudraient passer de là jusqu'à nous ne le peuvent non plus. Alors il dit, je te prie donc, Père, que tu l'envoies à la maison de mon Père, car j'ai cinq frères, afin qu'ils puissent leur témoigner, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les entendent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un va des morts vers eux, ils se repentiront. Et il lui dit, s'ils n'entendent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts.